Allez, salut à tous et à tous, c'est Mister56. On se retrouve pour un nouvel épisode de Comment débuter sur Feed the Beast. Et dans cet épisode 20, nous allons voir pas mal de choses. Donc, excusez-moi pour mon absence, toujours un peu longue entre plusieurs épisodes. Donc là, je m'excuse vraiment, mais c'est la fin d'année et j'ai pas mal de travail et j'ai pas mal de choses à faire en dehors. Donc, même là, il commence. Le beau temps revient, la pluie, on en a marre. Donc, le beau temps revient, on profite un peu de traîner avec des amis, etc. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, première chose à vous montrer, c'est ceci. Donc, juste question de beauté. Donc, c'est des façades un peu, des façades stone. Comme, enfin, voilà. Donc, il vous faut une stone et des cobblestone structure. Donc, c'est facile avec un pipe transport cobble et du gravier. Donc, c'est pas trop dur. Et comment ça marche? Donc vous voyez que là on voit plus les tuyaux, donc j'ai même rajouté deux barrels pour l'émeraude et ça. Et si voilà, oh mince, il fallait pas que je fasse. On récupère ça. Hop. On va reprendre un petit charbon. Donc charbon c'est dans le noir. Hop. Voilà, on reprend les façades et on fait un clic droit sur un pipe ou dans n'importe quoi. Ouais, bon, pas tout à fait n'importe quoi, mais tout ce qui est tout ce qui est pipes, ça marche. Ensuite, la dernière fois, on s'était crafté, il me semble, un industrial électrolyseur, si je me rappelle bien, mais également un recycleur. Donc, le recycleur, j'ai déjà posé pour prendre un tout petit peu d'avance. Donc, vous demandez sûrement ce que c'est ça. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais avant de partir vers les machines, on va également se faire un implosion furnace. Si je dis pas de bêtises, compresseur. Voilà. Donc, j'ai tout préparé à peu près. Attendez, hop. Voilà. Je me disais bien que c'était. Il y avait une autre possibilité. Donc, j'ai tout préparé ici. Hop, hop, hop. Et. Hop, si je dis pas de bêtises, j'ai tout pris. Voilà. Donc, on fait que comme ceci. Hop, on met le petit truc. Alors, un compresseur au centre, deux electronic circuits sur les côtés, quatre advanced alloy et deux advanced machine block. Voilà, nous avons notre implosion furnace. Donc, ok, j'entends des bruits chez moi, c'est bizarre. Bon, j'espère que vous n'entendez pas. Mais j'aimerais faire également Donc, il nous faut aussi des casings pour les implosions, l'implosion compresseur, donc des normales et des reinforced au cas où, juste pour vous prévenir. Et j'aimerais également me construire des plate bond. Machine, elle est où? Elle est là. Donc tout ça vous connaissez à part ceci. Donc vous voyez à quoi ça va servir? Ça va servir à faire ce genre de choses. Vous voyez. Mais pour ça, il y a un autre moyen de l'avoir. Donc c'est pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Donc simplement vous mettez la petite flèche ici. Vous avez cette manière là. Donc j'avais aussi également tout préparé. Donc il faut que je prenne tout ce qu'il y a là. Hop, on se met là-dedans. Hop. Tac, mince, c'est ça qu'il me fallait d'abord. Voilà, hop, comme ceci. Donc, nos trois verres, trois raffinés d'iron, deux circuits et une batterie, et non pas un sel. Voilà, nous avons ça. Et ensuite, on peut faire ceci. Donc, avec quatre pistons, hop, deux compresseurs. Deux circuits et un convoyeur module. Voilà, nous avons notre plate bending machine. Tac tac tac. Ok, c'est tout bon. Je prends également ceci puisqu'on en aura peut-être besoin si on a le temps. Mais on va directement aux machines pour vous montrer tout ça. Donc normalement, il fait nuit super. On n'a pas assez d'énergie, je pense. Donc normalement, ça devrait. Ça devrait quand même aller, mais voilà. Donc, vous vous rappelez le recycleur en fait, c'est celui-là. Donc, je l'ai posé. Donc, c'est une machine comme celle-ci, Industrial Craft. Je sais pas de bêtises. Ça doit être
Ouais, il me semble. Hop, on récupère juste ça avant que ça reste dans le vide. On met ça là, voilà, comme ça peut se relancer. Donc le recycleur, comment ça marche? Vous prenez n'importe quel matériau, donc je vous montre ça. Vous prenez n'importe quel matériau, donc c'est aussi du 32U. Vous prenez n'importe quel matériau, vous le mettez là et il va se transformer. Vous avez une chance sur. C'est un peu au hasard, donc vous avez une chance sur. Enfin, vous avez plus. Voilà, c'est pas à chaque coup que ça marche pour vous donner un scrap. Donc j'espère quand même en avoir un. Quand même. Moi je n'ai pas, donc je vais vous montrer avec le reste. Donc c'est n'importe quoi, même un livre, tout ce que vous voulez. Donc là, ça a l'air de pas trop vouloir me donner. Savez quoi, on va mettre directement un stack, donc j'ai pris la réserve. Hop. Et donc la petite astuce de ces scraps dès que vous les récupérez, c'est qu'en faisant. Donc ça sert après également à faire de la humateur, mais en mettant neuf comme ça, vous avez des scrapbox. Et ces scrapbox, elles peuvent être très utiles, puisque soit vous pouvez les mettre dans des dispensers et elles se lancent directement, soit vous pouvez faire un clic droite et ça vous lance n'importe quel objet un peu aléatoire. Donc là j'ai une super wooden shovel, j'ai mon contre-fiche, mais voilà, donc ça peut être aléatoire, vous pouvez même avoir des diamants, de l'émeraude, du titanium, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Donc on va essayer avec ça, hop. Bon voilà, j'en ai récupéré deux, ça c'est vraiment le truc le plus inutile. Donc voilà, sur 20 j'en ai eu un, donc c'est pas super super. Mais voilà. Donc ici, je m'étais trompé, je viens de remarquer ça, mais c'est pas grave. Hop. Donc ici, avec notre électrolyseur, donc avec du 128, puisque c'est la même énergie, si je dis pas de bêtises, que lui. Attendez, je dis vraiment pas de bêtises. Attends, j'ai un doute là. Tac. Wow, attendez, il faut que je sorte là parce que j'ai un doute de ce que j'ai fait. Alors, donc j'ai mis pas mal de panneaux solaires, donc avec tout ce que j'ai mis la dose, puisqu'on peut pas encore les améliorer, puisque je vous ai pas encore expliqué comment on faisait. Donc le 128 il est là, donc là c'est en 32, super. Donc en fait non, c'était juste ce que je devais faire. J'avais vu juste. Hop, super. Rentre là-dedans, voilà. Donc on peut reposer ça. Donc on va d'abord poser. Notre implosion furnace, donc on le pose comme ceci. Donc vous voyez, c'est un peu le même système que là, donc avec la petite boule rouge. Et si vous cliquez dedans, vous voyez exactement à peu près le même modèle que là, sauf que là c'est dans un autre sens. Donc vous voyez, c'est donc 5 comme ceci et 4 comme ceci, l'étage du dessous 9 comme ceci, non. Oui, 9 comme ce... non, 8 comme ceci, voilà. Et ensuite pareil tout en bas. Donc il faut que je mette tout ça. Donc j'avais préparé la place. Je crois que j'ai mis un étage en trop, à voir. Ouais, c'est ça. Attendez, je regarde. 1, 2, 3. Donc il faut 3 étages en dessous. Donc ça fait. Je l'ai posé là. Donc ça fait 1, 2, 3. Ok, j'ai creusé beaucoup trop profond. Donc c'est comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Hop, on va se poser dessus pour poser le dernier. Hop. Ensuite, on pose les quatre coins comme ceci. Ensuite, simplement comme ça. Hop, hop, hop. Et ensuite, on refait le même schéma que tout en bas. Tac, tac, tac et tac. Et on pose les quatre. Hop, hop. Et hop. Mince, j'ai oublié un ici. Voilà, vous voyez que c'est vert. Donc à quoi ça nous sert ceci? C'est pour faire des iridium. Pour faire ceci. Donc pour pouvoir les transformer. Donc ceci, ça va pas être trop dur. Donc ça, c'est comment faire. Et ça va servir à faire des iridium. Plate, donc les dark ash, on en a toujours. Si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'on récupère avec en faisant du steel. Si vous vous rappelez comment on fait, donc c'est pas trop trop dur, donc à en avoir.
Fou là là, qu'est-ce que je dis? Pardon. Donc on en récupère en faisant ça et il faudra juste de la TNT industrielle, donc c'est pas trop dur à en faire. Il faut juste tuer un peu de creeper ou de ghast, donc voilà. Donc j'avais trop de ça, c'est pas trop grave. Donc ensuite, là on est en 32U, donc on peut poser la plateforme. Donc c'est pas super bien comment j'ai posé mes trucs, mais c'est pas grave, donc on va poser. Mince. Ouf, j'ai peur. Donc j'ai posé la blending machine qu'on verra peut-être dans un autre épisode comment ça marche, puisque là on va s'occuper d'autres choses, mais c'était juste pour vous montrer un peu comment faire des machines. Alors ici il faut que je récupère du 128, 128, 128, 128. Donc le 128 il part de là et il faut que je l'amène là-bas. Ok, donc si je me pose là, faut que je passe ici. J'espère qu'il y a de l'air là-dessous. Ah yes, il y a de l'air. Ça m'a fait de l'air. Ok, alors. Tac. Attendez, faut que je puisse sortir quand même. Ce qui n'est pas le cas. Donc on sort. On va juste creuser un peu tout ce qu'il y a là-dessous. Hop, je sais pas si vous voyez grand-chose. J'espère quand même. Ça devrait jouer. Donc on pose ça ici. Super les courants, je déteste. Surtout avec un jetpack solo, c'est juste magnifique. Donc c'est pas tout à fait tout en haut. Hop. Donc c'est ici normalement. Ah là là, quel court. Ok, c'est bien là. Donc on va juste reprendre. Wow. Oh non, je vais mourir là. Laissez-moi sortir. Ouf. Alors, ici. Ah, super les courants de malade qu'il y a. Bon, si j'arrive à poser, ça serait juste. Quand même gentil. Il faut que je puisse sortir aussi. Hop, voilà, là, ça devrait le faire. Ah, y a de l'air ici. Super. Comme ça, j'ai pu rentrer. Y a quand même des courants, donc c'est assez. Assez embêtant. Ah bon, c'est pas grave, au moins on va se faire sortir ça par là. Oh mince, bon hop, on détruit celui-là. Saloperie de courant. Hop, j'arrête de faire des bêtises avec mes câbles là parce que ça devient the big n'importe quoi. Hop, donc on reprend, donc on doit faire un. Ah, ça m'énerve ces trucs avec ce courant et ce jetpack. Voilà, et ensuite, donc on va se faire ressortir ça ben, ici. Hop. Donc, tac. Tac. Bon, le jetpack ça peut être pas mal, mais des fois c'est un peu embêtant. Voilà, donc on peut enfin poser notre industrial electrolyzer. Et à quoi ça sert? Donc pas mal de choses, hein, vous en doutez quand même. Enfin non, je sais pas si vous en doutez. Mais voilà, donc vous vous rappelez, ceci de la rubidoche, je l'ai obtenu grâce à ça. Mais on peut également l'obtenir en mettant du rubis dans un macérateur, et également il vous faudra de la bauxite pour pouvoir avoir du titanium qui vous sera utile pour faire les nouvelles quarries. Donc le titanium, la bauxite c'est pareil, donc on va peut-être en garder un tout petit peu. Donc pour l'instant on fait ça comme ça. Donc vous voyez, vous récupérez ça. Ensuite il vous faut également des empty cells, j'en ai fait pas mal, même un peu trop, que vous mettez là-dedans. Hop, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Je vais peut-être en prendre plus que ça. Hop, ça devrait suffire 20 pour l'instant. Et vous les mettez ici, donc avec pas mal d'énergie. En espérant que ça marche. Juste aller un peu remplir. Hop, on va prendre ça. C'est pas grave, j'irai remplir tout ça. Ouais, ça devrait aller. Je pense que j'ai assez d'énergie. Hop, on donne un peu d'énergie en plus. Tac. Bon, puis on peut mettre ça dedans. Donc vous voyez que j'ai pas mal de panneaux solaires puisqu'on peut encore les améliorer avec l'ultimate.
Mais c'est aussi pour ça que on a fait l'électrolyseur. Puisqu'en faisant ça, il va nous donner du titanium, des petites boules de titanium. Qu'en mettant par 4, on obtiendra ça. Et en obtenant ça, on y mettra dans l'industrial blast furnace et qui va nous donner des lingots de titanium. Et pareil avec le ruby dust à la place de la bauxite dust, et ça va nous donner du chrome. Et le chrome est utile pour faire, je vous rappelle, si je me rappelle bien, des solar panels. Donc, tech, non, même pas en fait. Là, il faudra juste pour. Ah non, en fait, non, c'était pas ça. Ah non, c'était pour les casings. C'est pour ça. Attendez, hop, hop. Il faudra également de l'allumateur. Et pour ça, il nous faut. Ah voilà. Oui, je me disais bien que c'est quand même pour ça. Donc, pour faire un mass fabricator qu'on se fera, je pense, j'imagine, la prochaine fois. Super. Alors, c'est celui-là, on peut plus le faire. Donc, si vous voulez, c'est un peu pareil, le mass fabricator, sauf qu'il est. Plus facile, enfin plus obtenable, mais avant il était plus facile à obtenir. Donc le matter fabricator, c'est pour ça qu'on a besoin de chrome pour pouvoir faire ceci, donc, et du titanium également. Et pour cela, vous voyez, il nous faut du titanium d'en mettre dans les plate bending machine. Et également pareil pour le chrome, voilà. Mais également il nous faudra pour ceci, ah ouais, pour ceci, pour avoir du tungstène, il faut qu'on améliore la capacité de notre industrial blast furnace en lui ajoutant quelques advanced machines. Comme ça, sa capacité va augmenter et le tungstène pourra brûler. Mais pour ça, il faudra que dans le prochain épisode, on se craft une assembly machine. Voilà pourquoi on aura besoin de tout ça. Et est-ce que ça a cuit? Voilà, donc on a deux. Hop, on récupère tout ça. Je crois qu'il n'y a plus à avoir d'énergie pour que ça crame plus. Et on a même carrément de l'aluminium dust. Donc ici, normalement, je le mets là-dedans. Voilà, ça va me faire des blocs d'aluminium, l'hydrogène cell, du compresseur air, et voilà, hop, magnifique, on aura un d'alu, donc c'est quand même pas mal. En fait, on va tous les laisser là pour l'instant, et je pense qu'ils doivent pas avoir assez d'énergie, ou je ne sais pas ce que c'est. Donc je sais que bon, là c'est plein pour les machines à 32 UU. Même pas, donc je sais pas pourquoi il se relance pas. Je pense qu'il doit plus y avoir assez quand même. Ça doit être ça. On va en rajouter. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit être ça. Donc on récupère ça et ça. Hop, voilà. Et on en rajoute la dose. La dose, dose, dose. Et la prochaine fois, donc je sais pas si vous avez vu comment ça marche. Donc il faut qu'on ait ça, puisqu'on aura pas mal besoin. Et donc pour faire ça, il nous faut ça. Et l'iridium, ça, j'en ai. Donc c'est ce que j'ai récupéré dans les quarries, et en minant un peu. C'est assez rare quand même, donc utilisez-le à bon escient. Donc il nous faut quand même 4, et dans la rolling machine, ainsi que diamond dust. Donc vous voyez comment ça marche. C'est pas mal parce que j'ai encore de la réserve de tout ça. Wow. Donc c'est cool pour ça. Donc la prochaine fois, on verra comment marche la plate bending machine, comment ça marche le plusieurs compresseur, même si vous voyez bien que c'est pareil que ceci, mais on va juste faire, on se fera dans la rolling machine les iridium plates pour se faire bah, pouvoir en avoir, puisque ce sera assez important. Et également, donc je vais juste essayer de vous montrer ça. Donc, si ça finit, comme ça je pourrais juste vous montrer comment obtenir du chrome et du titanium. Donc, j'aimerais juste que ça se finisse là. Allez, 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 allez. Donc, on a juste ça pour après en récupérer. Allez, s'il vous plaît, il faut juste attendre 30 secondes encore. Restez, restez.
du titanium. Je vous montre comment on l'obtient. Allez. Voilà. Donc on en a 4 comme ça. Donc il nous faut 4 comme ça. Donc en les mettant mince, par 4 comme ceci. Hop, vous obtenez une titanium dust. Donc vous voyez que c'est assez coûteux. Mais voilà. Et ensuite en la mettant là-dedans, vous aurez un lingot de titanium. Pareil pour le chrome. Donc je vais même m'en préparer en avance. Voilà, ça va faire pareil. Et ça va donner du chrome pareil en petite pyramide là. Et tout ça, ça sera parfait. Donc dans cet épisode, on a vu comment crafter une plate binding machine, un implosion compresseur, comment marchait une industrial électrolyseur, à quoi ça nous servait. Ah bah ça nous donne directement ça, donc encore mieux. Et ça va être pareil. Donc je vous laisse juste pour obtenir ça. Donc le chrome c'est plus économique à voir. C'est juste voilà du titanium parfait et on met ça et ça sera pareil. Et nous avons également vu ça et je pense que donc la prochaine fois il nous faut une assembly machine et également nous verrons comment marche la plate bending machine qui pourra nous être très utile. Et également comment marche l'implosion compresseur, donc ça va pas être très très dur. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, sûrement. Je serai en vacances à partir de mardi. Donc, je pense avoir assez de temps pour vous faire des vidéos. Et tout ça, ça sera super. Allez, à plus et profitez bien. Bye bye.